les ans, on a deux repas offerts par la mairie de Sanary. Donc un pour Noël, qui a lieu mi-décembre, et un pour fêter la fête des mères et des pères. Donc là, cette année, vu que les Floralis sont de retour à Sanary, et pour pouvoir offrir quelque chose à l'équipe du maire, les résidents ont travaillé pendant quelques heures sur des créations florales. Comme ceci, c'est quasiment recyclé. Donc voilà, c'est du carton que l'on a peint, certains résidents ont colorié, d'autres ont dessiné, on a utilisé de la mosaïque, du crépon, des bouchons, enfin tout matériau qui puisse être réutilisable. Les résidents, ils attendent ce moment et effectivement, nous avons fait en sorte de faire un menu pour faire plaisir. En entrée, nous avons aussi notamment un tartare de saumon. Nous avons fait un menu autour du poisson. C'est un pot-au-feu de lotte. Nous avons choisi des légumes frais et de la lotte. Et au dessert, nous avons aussi un tiramisu à la fraise. Tout est fait maison avec des produits frais. Nous sommes toujours très heureux chaque année d'offrir ce repas à tous nos administrés de plus de 65 ans. Cette année, effectivement, il y aura 1400 personnes qui peuvent bénéficier de ces repas. Nous, on ira le vendredi 7 juin. Donc là, je suis en train de faire la liste avec les résidents, mais je vais essayer de sortir un maximum de résidents. Et c'est quelque chose qui est très très attendu au sein de la résidence Palmera. Donc les résidents sont prêts déjà avec ce tableau. Et puis voilà, ils vont profiter toute une après-midi pour voir ce qui se fait justement lors des Floralis.